Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons jouer à qui est-ce avec les métiers. Pour jouer à qui est-ce, nous avons beaucoup de métiers. Ça, c'est le magicien. Il a une baguette magique pour faire de la magie. Et il a un chapeau. Dans le chapeau, il a un lapin. Ça, c'est le facteur. Le facteur, il nous donne des lettres et il a un grand sac. Ça, c'est le fleuriste. Il vend des fleurs. Il vend des fleurs jaunes, rouges, oranges, marron, gris. Elles sont très jolies, ces fleurs. Ça, c'est la maîtresse. La maîtresse, elle joue avec nous. Elle nous apprend de nouvelles choses. Elle nous lit des livres et elle écrit sur un grand tableau. Ça, c'est le photographe. Le photographe, il prend des photos avec un appareil photo. Ça, c'est le boulanger. Le boulanger, il est très très fatigué. Il fabrique du pain. C'est bon le pain. Ça, c'est le coiffeur. Ici, c'est une fille, c'est une coiffeuse. Elle nous coupe les cheveux avec des ciseaux. Ça, c'est un chanteur. Il chante avec un micro. La 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 la. Ça, c'est un docteur. On va chez le docteur quand on a mal à la tête, quand on a mal au dos, quand on a mal aux oreilles. Il porte des lunettes et il a un stéthoscope. Ça, c'est le dentiste. Je vais chez le dentiste quand j'ai mal aux dents. Oh là là, j'ai mal aux dents. Ça, c'est le pompier. Le pompier, il porte un casque et il éteint le feu avec de l'eau. Et ça, c'est le clown. Le clown, il est très amusant. Il porte un chapeau rigolo et il a un nez rouge. Son costume est très très rigolo. Maintenant, on commence. Nous allons jouer à qui est-ce? Les enfants. Numéro 1. Il porte des lunettes. Il a un stéthoscope. Et je vais le voir quand j'ai mal aux oreilles, quand j'ai mal au ventre, quand j'ai mal à la tête. Qui est-ce? C'est le chanteur. Non, ce n'est pas le chanteur, c'est le docteur. Je vais chez le docteur quand j'ai mal à la tête, quand j'ai mal à la jambe. Il porte des lunettes et il a un stéthoscope. Les enfants, numéro 2. Il nous donne des lettres. Il a un grand sac. Et il y a même une chanson pour lui. Le facteur n'est pas passé. Il ne passera jamais. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Qui est-ce?
C'est le facteur. C'est le facteur. Regardez, il a une lettre dans les mains. Il a un grand sac. C'est le facteur. Les enfants. Numéro 3. Il est très très fatigué. Et il fabrique du pain. Qui est-ce? C'est le clown? Non, ce n'est pas le clown. C'est le photographe. Non, ce n'est pas le photographe. C'est le boulanger. C'est le boulanger. Regardez, il fabrique du pain et il est très très fatigué. Numéro 4. C'est un garçon. Il a un micro dans les mains et il chante. Il chante la 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 la. Qui est-ce? C'est le chanteur. C'est le chanteur. Numéro 5. Elle a des ciseaux et elle nous coupe les cheveux. Qui est-ce? C'est le magicien. Non, le magicien n'a pas de ciseaux. C'est le clown. Non, le clown ne nous coupe pas les cheveux. C'est le coiffeur. C'est le coiffeur. Numéro 6. Il prend des photos avec un appareil photo. Il a les cheveux jaunes. Qui est-ce? C'est le photographe. Regardez, il a un appareil photo et il a les cheveux jaunes. Numéro 7. C'est une fille. Elle écrit sur un grand tableau. Elle joue avec nous et elle nous apprend à lire et à écrire. Qui est-ce? C'est le pompier. Non, ce n'est pas une fille, c'est un garçon. C'est la maîtresse. C'est la maîtresse. Numéro 8. Il a un oiseau sur la tête. Il a une baguette magique. Il a un chapeau. Dans son chapeau, il y a un lapin. Qui est-ce? C'est le magicien. Regardez, il a un oiseau sur la tête. Il a une baguette magique et il a un chapeau. Dans son chapeau, il a un lapin. Numéro 9. Je vais le voir quand j'ai mal à la dent. Quand j'ai mal à la dent, je vais le voir. Qui est-ce? C'est le dentiste. Je vais chez le dentiste quand j'ai mal aux dents. Numéro 10. Il vend des fleurs jaunes, marron, rouge, orange. Ça sent très bon les fleurs. Qui est-ce? C'est le clown. Non, le clown ne vend pas des fleurs.
C'est le fleuriste. Le fleuriste vend des fleurs de toutes les couleurs. Numéro 11. Il a un chapeau. Il a un nez rouge. Et il porte un costume très très rigolo. Qui est-ce? Oui, c'est le clown. Le clown, il est très rigolo. Il porte un casque. Il éteint le feu avec de l'eau. C'est le pompier, les enfants. Le pompier, il éteint le feu avec de l'eau. Et il porte un casque. C'est très, très important. Et voilà, c'est fini les enfants. Nous avons appris beaucoup de métiers. Au revoir!